Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de la playlist Vantage. Du coup il doit nous rester environ 3 courses, donc ça va être normalement assez rapide. On continue à vérifier tout ce qui nous laisse en autorisé. Donc là, ok, on a, ouais, on a tous les autres trucs désactivés. Ok, l'anti-patinage qui arrive. Et sinon tout le reste on n'en a pas. On est parti, ça va être assez rapide, hein. Le record est à 2 minutes 19, donc à mon avis, il devrait tourner à 2:30. Truc du genre. Okay, objectif, 3:15. Là, c'est les années 70. Ok, puisqu'on passe en mode rallye, je serai ta copilote. Alors écoute bien. Petit virage à droite. Je suis étonné, il y a eu ça en rallye? Bah, il paraît, hein. Les années 70, il paraît, ouais, il faisait une rallye et tout ça. Je sais pas si j'étais gagnant à foncer dans le mur. En fait, c'est comme le jeu, il fait pas vraiment de différenciation entre les types de pneus. T'es perdant en fait à chaque fois que tu changes de surface. Non, je me suis pris toute la ligne du mur. Ah, ça ralentit à mort, hein, ça. Ah ouais, j'étais bien parti. C'est dommage, j'aurais préféré me prendre les petites barrières. À la rigueur. Je vois même plus là. Non, parce que j'ai avancé. Hein. Je t'attends de l'arrivée ou pas? Non, non, essaye de faire ton meilleur chrono. Ah, je ferai pas le meilleur déjà, elle est pas mûrée la bagnole. Ouais, t'as loupé le début quoi. De toute façon, elle est pas mûrée. Bah, je crois pas qu'on puisse avoir, avoir le droit. Si, t'as le droit. T'as le droit, mais elle est pas mûrée là. Donc... Je suis déjà à 2,28 donc. C'était combien le chrono de base? 3,15. Je suis bientôt à 90% de la course. Et pas loin de la fin. Là, tu peux y aller, hein. Même pas. Bon, tant pis. Je me suis pris un peu trop de mur. Alors, le second, 3 km 8, on va se retrouver direct à la course. Les années 70, c'était une époque si vivante. Ouais, nous aussi, attends, regarde le vélo, comment elle est foutue. Hop, 1 km 5 en avion. Pas se prendre la tête. Par contre, en avion, il n'y a pas de phare.
Pas du mien du tout. La prochaine voiture est une véritable pièce de collection. Ça c'est dommage. Un main qui conduit pas de nuit. Ou peut-être c'est celui-là. Peut-être les autres en ont. Non, il n'y a pas de faux. Non, bon. Dommage. J'arrive. Ah, parfois les pleins phares sont activés. Genre là, ils sont déjà activés de base. Ok. Alors, la seconde épreuve, on va encore regarder qu'est-ce qui nous autorise cette fois-ci. Ok, l'aide au contre-braquage qui est apparue. Dans tous les cas, je l'active pas. Donc, hop, on va continuer. Petite Ferrari. Ah oh là là, quelle beauté. Ça a peur d'être trop équitable ce qu'il a le bot. Oui si. C'est la même catégorie. Ah, t'as la voiture d'améliorer. Ah ouais, c'est la même catégorie normalement. T'inquiète pas, c'est la même catégorie. Bon, par contre, la sienne, elle est meilleure. Hein. Pour moi, de préférence, elle est meilleure celle qui veut. Je la fais à fond la course ou... Ouais, vas-y, hein. J'essaie de faire ton best chrono. J'arrive vraiment pas à le doubler, j'ai vu. Non, mais il trace, hein. Il trace de souvenirs. En difficulté 5, il traçait, hein. Quand t'as une voiture stock. Oui, mais là, il met la race, là. J'ai vraiment rien loupé. Il a un avantage, clairement, avec sa bagnole. Toi, t'as un avantage niveau vitesse maths, mais lui, il a une Hatzel de souvenir. Bah, tu sais quoi, du coup, je peux même chill et... Et jouer en vue joueur, pas en vue volant. Tant pis si je me prends un virage. Enfin, un mur. J'aime bien de temps en temps changer. Je suis à 50 là. Je suis à 60. Je vois même plus le bot. J'ai pas loupé de virage en plus pour le moment. Même en vue volant. J'ai pas beaucoup freiné. Non mais il trace de souvenirs sur cette épreuve le bot. Surtout en difficulté 4. On rigole pas. Ah, bon là par contre je me prends bien. Voilà, c'est... Non. Ah, le fameux... Ok, ouais, je vois. Faut vraiment vous braquer, freiner vraiment ultra tôt, celui-là. J'ai un peu trop fait confiance au freinage de la voiture. Fini. On va re-switcher de vue. On va passer en vue capot, tiens, un peu. Ah, ça fait bizarre. Ah, vu capot, faut faire l'habitude. C'est pas horrible, hein. C'est juste bizarre. Mais du coup, j'ai l'impression que tu peux mieux te focaliser et te dire vas-y, la voiture, elle est droite. Ah ouais, pour prendre des virages, c'est vrai que c'est mieux. C'était au plus proche, quoi, du truc. Bon, je peux être en finir, mais tant pis. Il y a peut-être moyen que t'aies un chrono, hein. Top 5 mondial sur Eastbots. Ça va.
Ouais, top Hors 44 plateforme. sur total, bon, ça va. Ouais, je te vois là. Ouais, ça va. 13 secondes, comment il a fait? Il a... Tous les chronos sont proches, sauf le gars qui a 13, secondes de différence. C'est ouf. Ouais, après, derrière là, je Et en peux faire mieux. mondial. Derrière là, je peux faire mieux et Oui, si bah je oui. mets le boost nitro, tout ça, t'inquiète pas que tu gagnes des 2,41. précieuses secondes. Et des pièces full Ouais, non, ouais, nitro, c'est vrai. des pièces en double nitro, des trucs comme ça, quand t'as un set double nitro, avec la Après, régène de même en... nitro et la puissance, tout ça, en pur, tu mets du Même en pur ponçant le et... jeu, Tu mets enfin, du il a pas pur et de la encore les régène points légendes nitro, max. t'inquiète pas que... voilà, quoi. Tu rates quelques secondes ultra facilement, On c'est passe à la rentable. prochaine. Alors, vintage. On va 1,22 km, saut dans l'eau. nickel, bon, on va y aller Pour tous les ensemble, hein. ennemis très populaires, Directement. nous On peut allions conduire être pour morts. 1,22 km. Et pour inaugurer la décennie de la mixtape, je crois que l'équipe de la Vintage Cop Wow, regarde mon vit une Strasse. atmosphère légèrement différente. Oh, il coupe. Je peux aussi te dire que Kite a préparé un autre Voilà. véhicule très spécial pour On triche un l'occasion, peu. la légendaire Pontiac Firebird TA de 1982. Oui, mon bonus, il a chuté d'un Avec coup. cette voiture, tu peux t'attaquer à cette dernière décennie en toute confiance. Ah, petite Firebird. Sais plus si c'est de l'exploration. Ah, il y a peut-être moyen. L'apparition des pleins phares. C'est une vanne. Hein. Ok, si, c'est bon. Ils nous ont bien mis en plein phare. C'est un petit style, voilà quoi. On dirait un radar, Oui, ils ont voulu le compteur. changer un peu le compteur. On n'y est pas dans les années Oh! 80? Oh le fou. Alors, comment tu te sens? Oula. Attends. Oui, ils ont voulu faire un petit style différent encore. La destination touchant uniquement aux indications de la team Vintage. Ah, je regardais trop mon nitro. Il y a un effet pareil sur le nitro là. C'est bizarre. Ça change. À Une gauche, petite hein. barre. Je t'attends un peu. De toute façon, on n'est pas pressé sur le genre d'épreuve. Oui, bah oui. T'entends mon klaxon ou pas de là-bas? Non. Ils n'ont pas mis le klaxon, je l'entends pas. Après, ça dépend de comment t'as mis le bruit des autres aussi. Moi, tout ça, je l'ai touché aussi. Vu que j'ai diminué tout le bruit de nitro et tout. D'ailleurs, je pourrais encore un tout Non, petit j'ai peu pas l'enlever. touché, mes effets sonores ils sont à fond, souvenir. J'ai essayé d'origine. Ah, moi je trouve que t'entends trop ceux des autres. Ceux des autres, le boost, enfin non, non, pour moi, ça. J'aime pas trop sinon. Oh, l'adhérence, c'est pas ça. Ah, je suis à terre. Je t'attends un peu. Oh là, oh là. Ouais, c'est un demi-tour. On continue tout droit, hein, à mon avis. Ouais, je pense que ça ira plus vite. Hein. Ça va bien mener quelque part. Hein. Ouais, nickel. Je pense souvent qu'à Au bon. Hawaï, il n'y a que du soleil, des plages et des C'est un arcs-en-ciel. raccourci en fait. Hein. Regarde un peu le Ouais, chemin et à c'est droite. parfait.
Ça fait comme tout à l'heure, je crois, du coup. Mais deux jours. Mais deux nuits, pardon. Quand est-ce qu'il faudra tourner à droite? Très loin. Ça doit être l'un des derniers virages. Ça va être là. Oula, merde, j'ai distancé. La gauche, hein. Après. Ouais. J'avais mis un peu une distance en fait. Ouais, c'est que j'utilise pas trop mon nitro. Moi je l'avais pas utilisé, c'est juste un peu. Ah, hop, à droite, c'est bon. À nouveau à droite. En vrai, ce conduit plutôt bien. Moi, ouais, ça va. Préférer la Porsche, hein, devant. Ah ouais, à ouais, gauche. Ouais, oh là, oh le panneau. Ouais. Oh là. Je dis, vas-y, ça va, tu vois, le virage. Bon. Ah non, non, ouais. Ouais, j'ai très bien vu que ça allait pas passer. Bah, au pire, moi, je pense que j'allais prendre un peu la barrière. Ah, le bus, t'as vu, il nous indique le chemin. T'as vu, il s'est planté. C'est juste parce qu'il s'est planté, hein. C'est juste parce que, voilà, les IA des PNJ, c'est... Allez, un peu de sous-sous, des pièces. Oh, on peut skip ça. J'ai skip directement. On va être bon. Je crois que c'est pour récupérer la voiture. Tu peux skip hein, les trucs. Oula, 7 km. Ouais, on va y aller en avion. Ah, voilà, ça c'est la dernière épreuve. Voilà. Une des voitures. Tu verras c'est quoi la voiture, mais. Une super voiture. Iconique, ouais, beaucoup trop iconique d'ailleurs. Vachement iconique, hein, celle-là tu verras. Année 90, il y a eu quoi qui est sorti? Il y a eu une voiture iconique, tu verras. C'est iconique ça? Ah ouais, ouais, ouais. Tu verras la voiture et voilà. La voiture qu'on te conduit là, c'est. Allez, on est parti. Dernière épreuve. Ça va être fun. Là, cette épreuve-là. T'as la voiture d'améliorer ou pas du tout? Non, je l'ai pas acheté, mais bon. La F40, la F50 GT, c'est mes bébés ces voitures. Franchement, si je devais limite choisir parmi mes voitures préférées, même avec celle d'aujourd'hui, je pense que c'est ouais, c'était la F50 petite GT. Petite voiture iconique. La F40. C'est mon bébé. Alors, c'est... En plus, ça fait un bruit, je kiffe le bruit. Ah, mais il est dingue. J'ai envie de jouer en vue volant, mais je sais que je serai jamais premier. Ouais,
Heureusement qu'ils nous ont pas filé la cobra. Oh là, le frein. Oh, elle est pas améliorée, mais... Oh non, ça va de ouf. Ah, mais quand elle est améliorée, c'est vraiment un plaisir de la conduire. Elle est ultra agréable à conduire la F40. En plus, elle est ultra rapide, son entier en Street Tier 2, elle est ultra rapide et ultra agréable à conduire. Si là normalement les bots tu les doubles faciles, hein, tu les passes faciles. Hein. Je fais une course. C'est explosé. Ah, tu te prends les murs? Je conduis comme une brêle. Ouais. Ah, tu rends pas honneur à cette voiture. Hein. Pourquoi mon boost il marche pas? Ah, il voulait pas s'activer. Ok, merci. Oh là là, dans le tunnel. Quelle pépite. T'es en train de me mettre 10 secondes. Ah ouais, 11. Après, j'en ai loupé les virages. Ah, j'ai vu. Hein. Je me doute bien, les S là. T'as dû en taper. Ah ouais, j'ai pas kiffé. Hein. Elle a mangé. Oh, de toute façon, c'est bientôt la fin. Hein. Franchement, la playlist a fini avec une course pépite. Il aurait été la meilleure voiture. Merde, je croyais que c'était un tout droit. J'ai un peu divagué. Hein, attends. Merde, du coup j'ai trop divagué, j'ai même pas vu la voiture passer. Bon, tant pis. On me verra taper un gros coup à droite dans le décor. Hop, skip des récompenses. Et là, voilà. Tu as récupéré la récompense. Ok, 1,3 km. Bon, on va y aller. Cette fois-ci, pas besoin de cette épée. Oula. C'est ça en fait, à force de conduire dans l'autre sens, faut que je me remette dans le contexte du... C'est le bon sens, tu vois. Trop joué à Forza. Et ouais. Ah, la conduite à gauche. Ah ouais, du coup, il nous file la cobra. Bon bah go, une voiture de plus. Toujours ça de prix. Qui va passer directement max. Playlist terminée, donc on a un peu de sous, voilà. Franchement, c'était l'une des playlists que j'ai trouvé la plus amusante, surtout la dernière course, vraiment une pépite. Je verrai qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois. Il reste un peu de tout. On verra, je pense, sans doute du tout terrain, un peu pour changer. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.